suite toujours de ce moment assez important et précis, cher au Parti des Filles, nous sommes avec une élue ici, Madame Nicole Beaumélé, qui est avec nous, qui est membre de Défi, qui va nous donner ses premières impressions. Qu'avez-vous pensé de cette élection, de cette organisation ? Je pense que l'organisation était vraiment formidable. Ça s'est fait dans la démocratie, dans la bonne entente entre les deux candidats, entre les quatre candidats. Et les deux candidats qui sortaient de la mêlée étaient des candidats de qualité. Parce qu'avec Christophe, nous sommes, c'est mon collègue au niveau du Parlement bruxellois, c'est un député tout comme moi. Et j'ai aussi eu à travailler avec François de Smet, qui lui, dès le début, ce qui m'a séduit chez lui, c'est qu'il est dans la vie associative. Et moi-même, je suis très impliquée dans la vie associative et je pense que c'est important que le futur président de Défi soit très impliqué dans la vie associative parce que nous avons des problématiques ici à Bruxelles qu'on peut bien régler quand on a des sensibilités. Et François, c'était quelqu'un qui est capable d'aller aussi bien dans les communes riches de Bruxelles où il habite, mais aussi bien d'évoluer et de parler avec les gens dans les communes pauvres, entre guillemets, les communes moins favorisées. Et je pense que c'est un candidat qu'il faut avec la nouvelle sociologie de Bruxelles, qui y a de plus en plus la diversité, aussi bien dans les origines des personnes, aussi bien dans la paupérisation. Il y a un clivage à Bruxelles dans les classes sociales, la paupérisation. Il faut un président qui est capable d'aller dans tout, et qui est capable de parler avec tout le monde et dans tous les terrains pour pouvoir trouver des solutions. Et surtout moi, surtout que je suis en plus conseillère communale dans ma commune Anderlecht, j'avais aussi besoin d'un président qui peut nous prendre par la main et aller ensemble voir les Anderlechtois, parler avec les Anderlechtois, aller aux abattoirs, et qui se sentent à l'aise partout. C'est pour ça que je voulais dire que c'était deux candidats très brillants, mais c'est vraiment le côté vie associative, l'approche avec les communes moins favorisées qui m'a vraiment séduit chez François. Et c'est comme ça qu'avec Gisèle Mandaïla, avec la communauté africaine, nous l'avons soutenue bien volontiers. D'ailleurs, je remercie aussi Gisèle qui avait initié une rencontre avec Gisèle Mandaïla, avec le futur président, pour lui demander quelle était notre attente, nous, personnes d'origine étrangère, par rapport au futur président. Et c'était bien. Et moi, de mon côté, nous l'avons invité avec M. Questemont sur notre commune Anderlecht pour voir quelle est maintenant sa vision par rapport à nos communes anderlechtoises, qui sont les communes moins favorisées. Et par rapport aux deux réponses qu'il nous a données, il nous a vraiment convaincus. Et je pense que grâce à lui, Défi aura d'ici peu beaucoup d'élus. Parce que pour l'instant, nous sommes à 10 sièges sur Bruxelles. Et nous espérons, grâce à un président comme celui-là qui sera avec nous partout dans les combats, pouvoir arriver même à 15 sièges. Et puis, pour au niveau fédéral aussi, si on peut tripler notre score au niveau fédéral, je suis tout à fait convaincu qu'avec lui, on peut faire de très, très bonnes choses. Alors, effectivement, avoir un nouveau président, c'est se préparer aux futures joutes électorales qui vont arriver sans nul doute encore. Vous pensez vraiment qu'en ayant écouté le discours de François de Smet, qu'il y a vraiment une place pour la diversité? Parce que très souvent, ceux qui sont issus de la diversité sont encore très timides, ne se lancent pas en politique, alors que les enjeux actuellement sociopolitiques nous concernent tous. Comment vous pouvez convaincre ces personnes, dire à ces personnes que Défi, c'est le parti juste, le parti qui a un nouveau président et qui a le discours qui va avec, qui touche les sensibilités? Quand vous dites comme ça que beaucoup de personnes de la diversité ne se lancent pas en politique, c'est faux, parce que quand on regarde dans les listes électorales, c'est au contraire, il y a pléthore de candidats. Mais plutôt l'exercice qu'on devrait plutôt faire maintenant, c'est de convaincre justement cette diversité-là à venir sur notre liste. Pourquoi venir chez Défi? Parce que tout simplement, Défi, c'est un parti qui veut actionner l'ascenseur social. N'est-ce pas? Parce qu'il y a certains partis politiques qui veulent cantonner les gens dans l'assistanat, il y a certains partis politiques qui veulent défendre que la classe riche, et puis il y a d'autres partis politiques qui défendent l'écologie seulement. Nous, Défi, c'est un parti qui veut défendre les gens dans leurs problèmes du quotidien, dans la paupérisation, et leur sortir. Nous voulons sortir toute cette jeunesse et les amener vers que Bruxelles soit une région où il y a la classe moyenne, et pouvoir garder justement cette classe moyenne et leur donner envie de vivre sur Bruxelles. C'est ça la clé. Le Défi, c'est un parti de l'ascenseur social. Et avec M. Olivier Minguin, qui avait toujours eu ce souci-là, la continuité sera aussi au niveau de M. François de Smet, de justement donner l'ascenseur social aux Bruxellois. Et nous pensons spécifiquement à la jeunesse. La jeunesse, c'est une clé.
Vous savez que la jeunesse à Bruxelles est tout à fait défavorisée. La jeunesse à Bruxelles est découragée, tout à fait découragée. Et surtout, vous le savez bien que sur Bruxelles, il y a un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Et dans ces familles-là, il y a la paupérisation. Dans ces familles-là, il y a le décrochage scolaire. Les jeunes sont tout à fait découragés. Et Défi, je veux justement donner un espoir à cette jeunesse-là. Et concrètement, comment ? Nous avons un ministre, Bernard Clairfailly, qui est justement ministre de l'Emploi, qui lui assure des formations justement à la jeunesse qui ont décroché. Il y a la possibilité d'avoir des formations qui permet à certaines personnes qui sont venues de pays étrangers, qui ont des diplômes tout à fait valables mais qui n'est pas validé ici, hein, voilà, pour permettre la validité des compétences, reconnaître l'équivalence des diplômes, et aussi certaines personnes qui ont aussi un talent. Combien de fois on voit des personnes qui sont des bons cuisiniers, ils ont des talents, aussi valider leurs compétences grâce à des formations. Défi à ce levier-là, justement, de sortir la jeunesse dans la difficulté. Et je pense que c'est le moment. Je pense vraiment que c'est le moment qui nous donne vraiment beaucoup d'énergie avec un nouveau président jeune, 42 ans, pour aller maintenant chercher les voies et aider notre jeunesse et les convaincre. Et les convaincre que les jeunes, à quoi ça sert de voter toujours pour certains partis dans lesquels vous n'évoluez jamais ? Pourquoi voter dans certains partis où vos parents ont été maintenus dans le désespoir de trouver un job, on les a maintenus dans l'assistanat, hein, parce que c'est vrai qu'on fait campagne, on va souvent les gens dire oui, tel parti, c'est la sécurité sociale. Oui, et toute votre vie, vous ne pouvez pas créer des emplois pour votre jeunesse, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un travail pour la jeunesse. Et nous, Défi, on veut justement aider les gens à sortir de cette pauvreté, donner l'espoir aux jeunes d'être différents de nous, les parents que nous avons été. Voilà, c'est Défi, c'est le parti de l'ascenseur social. Et c'est comme ça que je veux vraiment convaincre les jeunes. Nous avons la possibilité même de les aider, à les soutenir pour la création d'emplois. D'ailleurs, d'ici peu, Gisèle Abboud et d'autres collègues du parti, nous allons venir à votre rencontre pour vous expliquer aussi. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas Défi. Beaucoup de personnes, quand ils entendent Défi, bon, c'est FDF, c'est la défense, la communauté, les lois linguistiques et tout ça. Mais on a aussi, vous avez suivi pendant ce congrès, qu'on a aussi un côté social, aussi on a un côté économique, voilà, n'est-ce pas ? On n'est pas seulement limité dans le côté de la défense des droits linguistiques. Il y a aussi tout ça, Défi, et voilà, c'est pour ça que je pense que d'ici peu, nous allons initier une rencontre pour pouvoir faire des choses positives avec la communauté et sortir cette jeunesse, parce que c'est vraiment, c'est le moment où jamais, si la jeunesse veut évoluer, n'est-ce pas ? C'est le moment où jamais. Alors, Nicole Bomélé, juste une dernière question. Il y a une personnalité qui a été à la tête du parti durant 25 ans. Quel est le message que vous portez à cette personne qui n'est autre que M. Olivier Manguin ? Ben écoutez, M. Olivier Manguin, c'est quelqu'un qui est charismatique, d'une intelligence surhumaine, vraiment. Et j'aurais tout à fait d'être entré si tard chez Défi, de ne pas plus avoir eu le temps de bénéficier de son intelligence, de son coaching. Franchement, c'est ça. Et c'est lui, justement, qui a aussi eu le souci, justement, d'intégrer les communes, délaissées, nos communes, dans l'autre côté du canal. Et c'est comme ça qu'il a donné aussi une occasion à pouvoir avoir des élus dans ces communes-là. C'est comme ça que nous avons, sur Molenbeek, mon collègue député Michael Vossart. Et voilà que moi aussi, maintenant, je suis député dans ma commune Anderlecht, parce qu'il avait un souci aussi de sortir des passions où Défi a toujours été. Voilà, et je lui remercie pour ça, parce que c'est une personne, bon, maintenant, je viens de comprendre pourquoi, en ayant écouté l'histoire familiale, que depuis longtemps, il y avait ce côté social dans leur famille. Et j'ai vu ça en pratique, il a mis ça sur le terrain. Et je veux vraiment le remercier, franchement. Et de toute façon, il ne va pas nous lâcher comme ça, parce qu'il a promis que déjà, à partir de lundi, il sera là à l'IGP, parce que nous avons tous les lundis une réunion avec les mandataires. Il sera là, il sera toujours là pour nous coacher, parce que je tiens, franchement, qu'il puisse quand même me donner un peu de son intelligence, de son charisme. Voilà, il ne va pas disparaître de la vie politique. D'ailleurs, bientôt, il sera l'agent de liaison entre Bruxelles et la Wallonie. Il va pas laisser, c'est pas un homme comme ça qui va laisser la politique. Hein. Il a souvent estimé qu'il était peut-être temps de laisser la place à la jeunesse, qui est François, qui a 42 ans. Mais il ne va pas laisser la politique, d'où on aura toujours besoin de son expertise. Nicole Bomélé, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, merci.